Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et mes copains et copines. Ça va bien si. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On va faire un challenge avec des dessins. Oui, ça s'appelle j'achète tout ce que tu dessines. C'est ça. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est un challenge. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer le principe. En fait, on a chacun une fiche. Voilà. Bah, dessiner quelque chose. Bah, qu'on veut quoi. Genre un paquet de chips ou un jeu vidéo. Par exemple, oui. Il y a toutes les possibilités, hein. Et si l'adversaire reconnaît ce que vous avez dessiné, faut pas être de mauvaise foi, hein. Bah, si tu reconnais, tu vas pas dire non, je reconnais pas ce que c'est. Bien sûr, le but c'est évidemment de faire en sorte que son frère, s'il a bien dessiné, obtienne son cadeau. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Prêt. Une minute pour dessiner et combien de temps pour deviner? 30 secondes. Vous êtes prêts? Prêt. Premier round. Chacun sait ce qu'il va tenter d'obtenir en le dessinant. Ouais. Oui. Oui, vous l'avez dans la tête. Ouais. Allez, top, c'est parti pour une minute de dessin. Est-ce que vos chefs-d'œuvre sont terminés? Oui. Je dis qu'il dessine bien, mais alors, tu vois quoi là? On va regarder de plus près. Du côté de Néo, voici le premier dessin. Alors en fait là, on sait pas trop ce qu'il faut deviner. C'est la totalité du dessin. Oh non, sérieux? Ah bah voilà, c'est pas clair. Oh. Faut mettre une petite flèche. Donc là, on sait pas trop ce qu'il faut deviner. Apparemment, Néo veut tout. Ouais, il veut l'ensemble de son dessin. Et Swan, bah Swan c'est pareil, c'est pas très clair non plus. Il y a un dessin que j'ai pas fait comme il faut. Ça commence bien. Qui okay. commence à deviner? Shifumi. Shifumi. Ok, c'est moi. C'est toi. Allez, go. Allez, tu as 30 secondes pour tenter de deviner le dessin de Néo. C'est parti. Une console? Oui. Non mais une console, faut préciser un peu, non? Non, oui. C'est juste ça. C'est une console, oui. Juste ça, une console. Ok, d'accord, donc une console, très bien. C'est moi qui vais l'acheter, hein. Ouais. Ok, une console, c'est... D'accord, très bien. Bon ben, donc Swan a deviné une console. Donc Néo, tu voulais une nouvelle console. C'est ça. Ok, pas de problème. Okay. Bon, vu que t'en as déjà plusieurs, le choix ne va pas être simple, mais c'est noté. Nouvelle console. Et toi Swan, alors, 30 secondes, c'est parti, allez Néo. Écran, console. Oui, ça c'est une console. Swan, ne touche manette. Pas. C'est quoi ce truc? Manette, un jeu? Mais c'est quoi? Regardez, c'est un arbre. Allez, t'es déjà 15 secondes. J'ai pas fait ce dessin là. Un fil, un écran. Attends, il y a quoi comme appareil? Non mais... Allez, t'as trouvé que c'était une console. Donc allez, la suite, parce que c'est pas celui-là qu'il faut deviner, c'est l'autre. Un déco de console. Non, c'est un truc de console. C'est fini, 30 secondes. C'était quoi du coup? Un rangement de console. Et là, c'était une fouillèche en fait. Et là, attends. Ah, alors, explique, c'était quelle console en fait, Swan? Parce que je sais ce que c'est, parce que Swan m'a dit qu'il le voulait. Alors, c'était. Voilà. Donc, c'était quelle console normalement? C'était. En fait, ma 2DS. En fait, il y a un rangement un de étui. 2DS. Voilà. Il voulait un étui pour sa 2DS. Ok, moi, je pouvais pas trop. Mais du coup, Néo, bah voilà. Ah, je comprends mieux maintenant, mais bon, si ça avait été une flèche, j'aurais compris. Mais là, c'est quoi? Un arbre? Je suis désolée. Bon, voilà, donc, bonjour, hein. Même en étant de bonne foi pour Néo, là, c'était vraiment compliqué. Ouais, là, j'ai du mal. Donc, pour ce premier round, c'est Néo qui va avoir un cadeau. Yes. Je vais le chercher. Ah. On se retrouve dans quelques temps. A few moments later. Et bien voilà, la console que j'ai choisie pour Néo. Bon, sachant que Néo a déjà tout ce qu'il faut en termes de console, Switch, PS4, etc., Wii U, enfin... Celle-là, c'est vraiment une console, on va dire, pour les collectionneurs. Tu peux ouvrir les yeux? Oui, c'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Oh, c'est quoi ce Pac-Man? C'est quoi comme console? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite console à raccorder à l'écran. C'est un peu comme les mini bornes d'arcade que vous avez, c'est du rétro gaming en fait. Mais c'est une vraie en fait, c'est comme une grande. Ah oui, regarde, il y a plein de jeux dessus. Attends une seconde. Ouais, c'est vraiment des jeux très vieux par contre. Hein. Ah bah oui, c'est du rétro gaming. Là, c'est vraiment du vieux. Ah, c'était Pac-Man en fait. Mais t'as plein d'autres jeux, regarde, des vieux. Il y en a certains que je connais même pas tellement ils sont vieux. On a Space Invader. Oh. On a Pac-Man, Super Pac-Man. Est-ce que c'est ce que tu espérais pour une console Néo? Bah oui, attends, en rétro, je suis content, oui, c'est sûr.
C'est, moi ça me fait très plaisir. Après, je sais pas, ça dépend des gens. Hein. Ceux qui sont pas fans de rétro, je sais pas si ça leur a fait plaisir, mais moi je suis hyper content. Mais c'est-à-dire que vu que t'as dessiné une console alors que t'en as déjà plein, c'était un petit peu compliqué de trouver. C'est hein. vrai. Voilà. Je te laissais pas trop de choix. Hein. Bon, donc c'est bon cette main. Ouais, super, merci beaucoup. Bon, bah super. Donc premier round pour Néo, premier cadeau. Bon, bah voilà ce que ça donne. Je sais pas si c'est vraiment très ressemblant, mais bon, c'est une console, ça va, ça marche. Prêt pour le deuxième round? Prêt! Allez Swan, tu vas faire mieux cette fois. Oh, ok. Allez, c'est parti, vous avez une minute pour dessiner. Go! Go. Chef-d'œuvre. Donc, le dessin de Néo qui est très très détaillé pour le coup. Hein, ouais. Et le dessin de Swan. Et... ça va peut-être être un peu plus difficile là. Qui devine le dessin de l'autre en premier? Chifumi. Allez, c'est moi qui commence. Allez, tu as 30 secondes pour deviner ce que Swan a dessiné. Go. C'est parti. Libellule, mouche, oiseau, poulet, avion. Non. Écran, console, jeux vidéo avec un poulet, peluche, poulet, c'est un carré avec une sorte d'avion et une sorte d'oiseau, poulet, avion et libellule. C'est vrai que c'est hyper dur à deviner. Donc c'est un poulet avec des ailes, enfin c'est une banane avec des ailes, qui représente un cadre avec un avion. C'est pas ça du et tout. Et qui parle aussi apparemment. C'est pas ça du tout. Et on vient de finir les 30 secondes. C'est alors... quoi? C'était un pop géant Spiro. Donc c'était censé être une boîte avec un dragon à l'intérieur. Alors, déjà, carré. Ah, et Spiro, c'est un poulet. C'est un poulet. J'ai mal dessiné, d'accord. Non, non, mais à quel moment c'est un dragon, quoi. Dragon, tu fais cracher des flammes, tu mets un œil. Regarde, en plus, c'est quoi ces ailes? C'est un poulet dragon. Voilà, okay. C'est un poulet dragon, c'est ok. C'est une nouvelle espèce. Il a des plumes. Créé par Swan. Là, ça... Bon, écoute, faut que tu dessines, faut vraiment que t'apprennes. Faut que tu t'entraînes, hein. Ouais, bon, bon, à mon tour. Alors, allez, c'est parti, top 30 Go. Secondes. C'est quoi? Un doudou professeur Koro de Assassination Classroom. Ouais. Alors là, vraiment, tout le détail, la totale. Bah, en fait, au début, je voulais mettre Assassination Classroom, voilà, Monsieur Koro. Mais après, je me disais, peut-être qu'il va reconnaître un autre objet, tu vois, pas une peluche. Une déco, ouais. J'ai mis un nounours et j'ai mis zzz, genre un truc pour t'en faire. Et là, il a vraiment trouvé, voilà. Bravo Swan. Ouais, voilà. Donc pour l'instant, c'est un sans faute pour Néo. Et effectivement, Néo a donc choisi une peluche. Bon, je sais. Ok, bon, bah je vais chercher la peluche alors. Allez. A few moments later. Alors, comment t'as dit qu'il s'appelait déjà? Monsieur Koro. Et ben voilà, Monsieur Koro en peluche. Donc ça, je crois que c'est en prévision d'un certain room tour. C'est ça, voilà. Voilà, une déco supplémentaire. Très beau. C'est vrai qu'il est joli. Ouais. Et oui, je pense qu'on peut dire que tu l'avais bien dessiné. On va mettre ton dessin à côté, comme ça, c'était pas mal quand même. Et ouais, c'est pas mal du tout, même Néo. Hein. Franchement, c'est ressemblant, hein. Oh oui, ça va quand même, hein. Si, si, c'est ressemblant, je confirme. Merci. Bien joué. Bon, pour l'instant, Néo a fait un sans faute. Les deux premiers dessins devinés par Swan, les deux premiers dessins offerts. Swan, troisième et dernier round. Cette fois-ci, je crois avoir une idée. Oh, attention. Bon, alors c'est parti. Troisième et dernier round. Tintin. Ok. C'est bon. Parti, vous savez ce que vous voulez dessiner, ouais. Allez, c'est parti, bon. Une minute. Messieurs les artistes, est-ce que vos dessins sont terminés? Oui. Oui. Alors on va montrer ça. Les œuvres d'art. Du côté de Néo, voici son dessin, voici ce qu'il souhaite. Ça ressemble un petit peu au premier que tu as fait quand même, hein? Ouais. Mais apparemment c'est pas la même partie qui t'intéresse cette non. fois. Et voici pour petit Swan. C'est dans ce sens-là Swan, hein? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Voilà pour Swan. Shifumi. Ah ouais, c'est ça qui commence. Allez Swan, tu as 30 secondes pour deviner le dessin de Néo. Qu'est-ce c'est que quoi, c'est Swan? Alors, c'est quoi là, je vois pas. Ah, tu vois pas, c'est quoi ça? Tu connais pas? Alors, il y a une télé. Voilà. Avec un espèce de canon. Alors, tire. Oh, télé. Mais ça, on s'en fiche. Non, non, mais télé. Et Pac-Man. Un autre c'est quoi, terme, Swan. Télé. Il y a quoi comme autre terme. Terme? C'est pas pour regarder la télé. Mais. Un dessin? Toi, tu fais quoi tous les jours? Il y a pas tu une télé centrale. C'est tu un... regardes les. Les écrans? Oui. C'est quoi? C'est un écran. Avec des... Donc ça, c'est quoi je... ah c'est un écran, donc
Pour jouer à des jeux. Ouais, un écran. Rétro. Jeux, game. Quoi? Triche pas. C'est un écran. Des jeux Game & Watch. Des jeux rétro. Bah, des jeux Mario aussi. Alors, c'est un écran. Des jeux Batman. C'est quoi? C'est un écran quoi, Swan? C'est un écran qui... Si, c'est des jeux vidéo, c'est un écran quoi? Ne crie pas. C'est un écran. Un écran. Le temps est écoulé. Ça compte pas. Moi j'ai compris un écran jeu vidéo. J'ai compris ça. Donc c'est déjà pas mal. C'est ça, un écran jeu vidéo. Un écran jeu vidéo, oui, c'est ça. C'est juste pas français, mais c'est un écran gaming. Ah. Oui, bah, c'est un écran jeu vidéo, voilà, c'est... Donc c'est bon, je peux prendre un écran comme ça. Ouais, okay. Oui, oui, évidemment. Maintenant c'est ton tour, tu dois tenter de deviner. Donc là je vois un livre, oui. Et là une loupe, un marque-page. Non. Mais par contre je ne ferai. Bah une roue, une... Non. Un tampon, un feutre. Non. Un feutre. Pour poser pour sur un livre, pour utiliser sur un livre. Non mais c'est sur un livre. Qu'est-ce que Swan utilise tous les soirs? Une lampe. Non. Qu'est-ce qu'il écoute tous les soirs? Un disque, un CD. Oui. Ah, c'est des histoires. Je pensais que c'était un livre, moi. Ben c'est un livre. Ouais, bah histoire. Il y a un CD dedans. C'est un livre CD. Voilà. Est-ce qu'on considère qu'il l'a dit? Bon. Oui, ok. On va dire ça. Allez, voilà, je t'ai dit. C'est moyen. Hein. C'est chaud quand même. Vu que pauvre Swan, quand même, il n'a pas eu un seul cadeau sur toute la vidéo, alors que Néo a tout raflé, Néo va obtenir son troisième cadeau. Je pense qu'on peut lui accorder le livre CD. Oui. Allez. A few moments later. C'est ton frère, ça? Non, ça c'est Peppa Pig. Donc voilà, ça c'est l'image que Néo a de son petit frère. C'est sympa, dis donc. Et voici pour Swan. Donc c'est bien un livre CD. C'est le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et voilà pour Swan. Merci. Avec plaisir. Donc Swan, vous le savez, chaque soir il écoute un CD. C'est son petit rituel pour s'endormir. Alors Swan, est-ce que c'est bien un livre CD? Oui. C'est bon. On va comparer au dessin de Swan et on va vérifier. Voici le dessin de Swan. C'était donc un livre et un CD. Et c'est bon, on a bien un livre et un CD de l'autre côté, donc ça correspond. Du côté de Néo, c'était donc un écran gaming. Oui. Voici un petit écran gaming. C'est un écran pour jouer aux jeux vidéo. Est-ce que c'est ce qu'il y avait sur ton dessin? Je crois pas. Non, c'est pas ça? Pas sûr que t'aies compris ce que je demandais en fait. Bah écoute, non, je compare. Ouais, c'est pareil, hein. Je trouve que c'est pareil. Non? Non, c'est pas ça, c'est pas ce que t'avais demandé? Maman, c'est une blague. Ça, c'est une petite Game & Watch. C'est tout petit. C'était pas ça en fait. Faut une loupe pour voir. Non, mais maman, tu rigoles là. C'est une blague. C'est une blague. Ah! Ferme les yeux, ta surprise arrive. Et voici le véritable écran pour Néo. Immense. Petit, ouais. Tout petit. Alors, est-ce que c'est ça que tu avais dessiné? Oui, c'est bon. Oh, génial. Ouh là là. Alors, on va comparer au dessin d'origine. Ça semble être ça, effectivement. C'est bien le dessin de Néo de départ. On se demande qui a plus réussi que l'autre. Ça, vraiment, c'est un mystère, hein. Néo, c'est un sans faute. Ouais, clairement. Ouais, plein de surprises là. Voici ce que tu avais dans la tête aujourd'hui. Ah, maman. Voilà, oui. Oui, de rien, mon chéri. Donc, effectivement, Néo avait 3 cadeaux dans la tête, dont un géant. Et les voilà. Et toi, Swan, mon petit cœur, les 2 premiers cadeaux, il va falloir t'entraîner au dessin. C'est ça. On espère que cette vidéo vous aura plu. Passez-vous. Enfin, pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Plein de gros. Bisous. On vous. Zéro. Bye tout le monde. Plein de bisous. Bye bye et plein de bisous. Bye bye. T'as eu un peu trop de cadeaux, je t'ai vu que ça, ouais, mais... Oh, je rigole là, oh. Qu'est-ce que tu fais?